settle back, take command, hold tomorrow in your hand, get the feel of the wheel of the floor, feel the pride as you glide, and you're envied and you're eyed. It's the feel of the wheel of the floor. Dream of a dream car just for you. Ford makes your dream car dreams come true. So to know how it feels to have wings on your wheels, get the feel of the wheel of a great automobile. Get the feel of the wheel of a Ford. Ford! Nous voilà de retour dans le monde futuriste de la New York's World Fair pour ce troisième épisode. On se penche aujourd'hui sur l'attraction Magic Skyway du pavillon Ford. Alors asseyez-vous bien et attachez votre ceinture parce que nous accélérons pour un voyage à travers le temps. L'histoire du Magic Skyway est un peu plus simple que celui du Carousel of Progress que je vous ai présenté dans mon dernier épisode. On n'avait pas une idée préconçue, le tout a plutôt été fait sur mesure. En fait, tout commence lors des premières préparations de la foire par les différentes compagnies. Walt Disney est déjà sollicité par quelques-unes de ses entreprises, mais la Ford Motor Company s'intéresse également à ajouter une grande attraction à son futur pavillon. Déjà impressionné par les nombreux projets de Walt Disney de sa vision futuriste, Ford tente sa chance en lui proposant un partenariat. Après tout, Disneyland a déjà son attraction centralisée sur les voitures et est très populaire, je parle évidemment d'Autopia. Mais ce que Ford désire est très différent de cela. Dans son pavillon, il veut présenter quelque chose d'innovant, du jamais vu. On accorde beaucoup de confiance à Disney et son équipe, car les deux seules restrictions sont de présenter le développement technologique par le passé, le présent et le futur, ainsi que les véhicules de l'attraction, soit des modèles actuels des nouvelles automobiles de Ford. Les idées, ce ne sont pas ce qu'il manque chez Disney, et pendant qu'on a le financement nécessaire, l'équipe se lance un défi. On veut divertir et créer quelque chose de difficile à concevoir. Et pour un défi, on en a tout un, car Ford exige d'utiliser leur voiture directement sur leur roue comme véhicule de l'attraction, et ce, à l'intérieur, en plus d'avoir une inclinaison variable du plancher. Les Imagineurs se creusent la tête un peu, mais l'illumination de s'inspirer de la manière dont Ford lui-même déplace ses véhicules encore en usine sur la chaîne de montage s'interpose. On crée un parcours avec des roues incrustées dans le sol à tous les trois pieds, et chaque voiture se font souder une plaque métallique en dessous pour obtenir une surface uniforme. Une alimentation électrique apportera une rotation des nombreuses roues sur le sol et l'adhérence du caoutchouc avec la plaque de métal sous les véhicules propulsera la voiture vers l'avant et régulera la vitesse de manière générale, même dans les pentes descendantes. Pas besoin de frein, un grand avantage. Pas besoin non plus d'énergie à bord des 50 véhicules, tout le nécessaire se retrouve directement sur le parcours. Et ce qui est encore plus génial, c'est que l'attraction ne sera jamais en arrêt à cause d'un bris, car les voitures roulent par eux-mêmes sur le rail, n'ont même pas de moteur. Et même si l'une des roues de propulsion sur le parcours s'arrête par un bris, ces deux voisines prennent facilement le poids en charge et l'attraction est bonne pour continuer toute la journée. Et voilà, la nouvelle technologie nommée Wedway vient tout juste d'être créée. Par contre, on doit la tester pour assurer son bon fonctionnement et c'est dans les studios Disney à Burbank que Ford a envoyé deux de ses récents modèles, Lincoln Continental 1961 et une Thunderbird. Le moteur et la transmission sont retirés pour alléger la charge et l'imagineur Bob Gurr installe son système de convoyage et ça marche tout simplement. Maintenant qu'on a une attraction fonctionnelle, les idées se multiplient quant à l'histoire qui sera racontée et le projet prend de plus en plus d'ampleur. Finalement, on arrive à une expérience assez complète se déroulant dans différents dioramas. Le tour commençait avec un voyage au travers de l'âge des dinosaures comprenant des scènes de sauropodes hauts de 22 pieds, d'une famille de tricératops et un combat pour la survie entre un stégosaure et un tyrannosaure. Une référence à Fantasia. Notre voiture voyageait dans le temps pour atteindre l'âge des premiers humains, annoncé par un homme des cavernes saluant le soleil levant. On voyait aussi la chasse aux mammouths, la défense contre différentes menaces, les premiers artistes anciens, la découverte du feu et l'invention de la roue. Alors que la première charrette préhistorique se prépare à se déplacer loin de la grotte pour atteindre un monde de technologie, un nouveau voyage temporel s'effectue au travers de la passerelle vitrée entourant le pavillon pour arriver dans une ville futuriste où Ford jouera sans doute un rôle pour la développer. Pas mal comme visite, et en plus le tout était narré par nul autre que Walter lui-même. À la sortie de l'attraction, une grande exposition sur Ford complétait la visite, elle aussi développée par les Wed Enterprises. On pouvait apercevoir différents modèles Ford du tout premier quadricycle d'Henry Ford aux voitures les plus performantes du moment, mais on avait aussi la chance de voir les premiers prototypes pour de futurs véhicules qui seront commercialisés. Sinon, la plus grande collection de Ford Model T était présente avec un nombre littéralement incalculable d'exemplaires. On remerciera en passant la magie des miroirs de l'équipe Disney.
Sinon, un orchestre harmonique de pièces d'automobile était également de la partie pour nous distraire. Un autre attrait important dans le pavillon, ou plutôt à l'extérieur du bâtiment, est la chute de lumière qui ne pouvait être observée qu'en soirée. En effet, les 64 pylons autour de l'entrée du pavillon s'illuminaient avec des lumières incandescentes modifiant perpétuellement et de manière décalée leur intensité électrique pour donner l'illusion du mouvement descendant dans la lumière. Tout comme le Carousel of Progress qu'on a vu dernièrement, des vestiges du Magic Skyway sont restés suite à la fin de l'événement universel. Au départ, en fait, on souhaitait aussi amener l'attraction à Disneyland, mais faute d'espace disponible, c'est le Ford Magic Skyway qui sera sacrifié. D'autant plus que Walt n'a jamais été pleinement satisfait des Hommes des Cavernes. Bon, cependant, il adorait ses dinosaures et décide de les intégrer, toujours dans un diorama, dans le tour du Disneyland Railroad. Le fameux mammouth en proie aux hommes est, de son côté, recyclé en éléphant dans la Jungle Cruise. Bien que le reste a été démantelé, un héritage important subsiste, la technologie Woodwee. On se rappelle, c'était le nom qui a été donné pour le nouveau type de transport avec propulsion au sol. Eh bien, la technologie est perfectionnée et dès 1967, l'attraction Woodwee People Mover ouvre à Tomorrowland dans le but d'offrir un aperçu aérien de ce que peut offrir Solan. Éventuellement, le People Mover ferme à Disneyland, mais heureusement, il survit toujours grâce à la version du Magic Kingdom en Floride, le Tomorrowland Transit Authority People Mover, arrivé en 1975. Sinon, l'idée est réutilisée à de nombreuses reprises depuis le temps, dont dans l'attraction World of Motion, ouverte dans le parc Epcot Center en 1982. C'est déjà tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a deux prochains épisodes et que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas les manquer. Je suis toujours dans ma petite série, mais si vous avez des suggestions pour de futurs épisodes, laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir. Et dites-moi ce que vous pensez de la technologie Woodwee People Mover. Moi, ça m'épate sérieusement par son efficacité et sa simplicité. Allez, écrivez ça en bas dans les commentaires et j'ai déjà hâte de vous revoir pour l'épisode numéro 4. À la prochaine!